Et bonjour les amis. Alors, on se retrouve pour mes trois bases du Quinté Plus de ce mardi 26 octobre 2021. Donc, tout d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Et puis, voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, à vous abonner et à partager. Et puis, si vous souhaitez soutenir la chaîne, c'est en description que ça se passe avec le compte PayPal. Donc, ceci étant dit, le pronostic Quinté Plus est déjà posté sur la chaîne, donc je vous invite à aller la voir. Voilà, donc c'est dans la section vidéo. Et puis, écoutez, ben, on va continuer. On va déjà aller voir le programme du Quinté. Donc, c'est parti. On y va. Donc, le petit programme qui est là, vous voyez, c'est la réunion 1, course 1 à Chantilly. Donc, à 13h50, ce sera le prix du chêne du coup de foudre. Ce sera du plat sur 1600 mètres. Il y aura 16 partants, 50 000 euros d'enjeu, un handicap divisé, corde à droite, PSF, 11 km à l'heure pour le vent, et il y aura 16 degrés et ce sera peu nuageux. Donc, comme je l'ai dit, c'est une course en PSF. La liste des chevaux. Donc là, voilà. Donc, comme d'habitude, trois chevaux qui nous intéressent. Le 8, le 6 et le 12. Donc le 8, Stanzo. Le 6, Droit de parole. Et le 12, J'aurais dû. Donc voilà, mes trois bases. On va aller voir déjà mon favori, donc le 8, Stanzo. Donc voilà, je l'ai choisi malgré une musique un peu aléatoire, mais bon, qui reste quand même souvent dans les trois. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi. Donc, lui, c'est un mâle de 4 ans, donc Guyon le jockey, l'entraîneur Lafond Parias. Donc, il a couru 13 courses, une victoire, 6 fois 2e et 3e et 6 autres. Espérons qu'il ne fasse pas les 6 autres cette fois-ci, enfin 4e et 5e compte dedans, hein, mais dans les 3, ce serait pas trop mal. 54% dans les 3 premiers, c'est pas moche. Donc, voilà pourquoi je l'ai choisi. Ensuite, on va aller voir ma base qui sera le 6, droit de parole. Donc lui, il a une musique intéressante, c'est pour ça qu'il est dans mes bases et ce sera sûrement le favori de la course. Donc c'est un mâle de 5 ans, Soumillon dessus et Char aussi comme entraîneur. Donc 37 courses courues, 6 victoires et 9 fois 2e et 3e, 22 autres. Donc 41% dans les 3 premiers. Pas moche du tout, pas trop mal. Donc ce sera le favori de la course, je pense. Donc ne le jouez pas, incorporez-le à vos jeux. Voilà, ne l'oubliez pas. Et pour ce qui est de mon tocard, qui sera le 12, j'aurais dû. Donc là, le 12, j'aurais dû. Petit tocard, mais aléatoire, bon rapport, je pense, il aura pour la course de ce mardi. Donc lui, c'est un mâle de 5 ans, Forest dessus, Boutin l'entraîneur. Donc 60 courses courues, 5 victoires, 16 fois 2e et 3e et 39 autres. Donc je pense que ça peut le faire sur ce quinté. Donc ben, voilà les amis pour mes trois bases du quinté plus. Donc n'hésitez pas à aller voir le pronostic Quinté Plus que je vous mets en description, que je vous ai mis dans la section vidéo de la chaîne depuis 14h. Max de pouces bleus, abonnez-vous, partagez. Si vous vous abonnez, n'oubliez pas la petite cloche pour recevoir mes notifications et vidéos. Soutenez la chaîne avec le compte PayPal si vous le souhaitez. C'est en description que ça se passe. Et moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et on se revoit pour la dernière minute qui sera postée en même temps que cette vidéo-là. Voilà. Allez, bye bye les potos et à bientôt.